Les chiffres, on les connaît. Il y a des études qui ont été faites sur les filières de déconstruction en France et entre autres sur Brest. À tout casser, c'est 50 emplois. Donc, c'est pas. Alors, ça se rajoute, vous me direz 50 emplois, c'est 50 emplois. Effectivement, c'est. Et pourquoi pas? Personne n'est contre cela. Sauf qu'on voit bien, d'abord en matière de défense, il y a quelques bateaux, mais une grosse unité globalement, il n'y en a plus. Il y a eu une grosse unité qui a fait parler d'elle pendant quelques mois. Mais après, on a des bateaux de plus faible contenance, donc ça va très très vite, ça ne produit pas de travail dans la durée, donc ça ne peut pas être une industrie. On a, dans le domaine du civil, des bateaux de commerce qui souvent ne sont pas sous pavillon français, on peut le regretter, mais c'est ainsi, et qu'on ne peut pas, à qui on ne peut pas imposer de venir en France. Ils ont des coûts bien inférieurs dans d'autres pays, et voilà, parce que la main-d'œuvre est moins chère. Donc, et la déconstruction, c'est avant tout une affaire de main-d'œuvre. Avant tout une affaire de main-d'œuvre. Donc ça, c'est une réalité. Alors après, il reste les bateaux d'État, effectivement. Alors là, on est obligé de déconstruire chez soi. L'État est obligé de déconstruire, d'ailleurs, en France. C'est dans la loi. Le pays l'applique. Maintenant, ça n'offre pas, effectivement, des débouchés industriels très importants.